Tout le monde, c'est Clémence Assadel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Welcome to Nibo. Donc ça va être un petit tuto sur comment avoir des paniers de haricots. Alors tout d'abord, il va falloir que vous soyez en été. Donc moi par exemple, je vais voir. On est le... Attendez, j'ai pas bien vu. Le 25 juillet. Donc j'ai changé la date bien sûr. Désolé si c'est le bordel, j'ai recommencé ma ville. J'ai toujours mon ancienne cartouche. Hein. Donc tout d'abord, il faudra aller à la caravanerie. Et il faudra que ce soit un jour où le hippie, Joe, lance des graines aux oiseaux. Donc tout d'abord, il faudra que vous allez voir dans la caravane qui est là. Attendez, je remets bien la caméra. Donc voilà, donc faut parler quelques fois. Non, faut parler à Jaco. Donc là, on y parle. Voilà. Ensuite, on sort. Vous faites ça et vous lui parlez et là vous lui demandez parle-moi de toi donc là voilà donc là je vais le remettre on lui parle plusieurs fois on lui demande plusieurs fois parle-moi de toi et à un moment il va vous donner un panier de haricots donc on peut en avoir à l'infini hein. Voilà, faut que je lui parle plusieurs fois. On peut lui demander souvent, des fois fort. On peut avoir beaucoup de fois à lui demander avant qu'il nous le donne. Regarde là, il va me le donner. Donc il va vous dire salut loupiote, j'ai un petit creux, alors je me mitonne une gamelle, ça te tente. Donc là, il te donne un panier de haricots. Et là, dans votre. Inventaire, vous aurez un panier de haricots en plus. Bon, moi, personnellement, j'en avais déjà 5, du coup, j'en ai 6. Voilà, un panier de haricots. Attendez, j'ai remis la caméra parce qu'elle partait en cacahuète. Donc voilà, je pense que dans pas longtemps, je vais faire une distribution de paniers de haricots. Pour ceux qui n'en arrivent pas à avoir ça. Donc je répète, il faut être en été. Hein, pour voilà. Donc je vais bientôt faire une distribution. Mais comme j'arrive pas à faire de live, du coup je pense que je vais faire une vidéo normale. Et bon voilà. Donc c'était tout pour ce tuto. Donc j'espère vous revoir très vite. Au revoir.